L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Mbote, mbote, Valandino, c'est l'émission Moseka et Malheur Moderne. Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue, welcome, bienvenue sur ce chat en direct. Voilà, aujourd'hui je vous propose des petits chaussons à la crème pâtissière. Ils sont cuits à la poêle et sans plus tarder, je vais vous montrer la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de cette recette. Pour réaliser ces chaussons à la crème, vous aurez besoin de 300 à 500 g de crème pâtissière fait maison ou de toute autre crème épaisse. Ça peut être du pudding, ça peut être autre chose. 25 g de beurre. Moi, j'ai pris du beurre demi-salé. Un jaune d'œuf. 7 g de levure chimique ou de poudre à lever, poudre levante. Ce sont les noms de la levure chimique, 100 ml de lait, 25 g de sucre et 250 g de farine de blé ou farine pour tout usage. Voilà, donc je répète, 300 à 500 g de crème pâtissière fait maison. Vous pouvez suivre la recette de ma crème pâtissière ici sur la chaîne Émission Moseka. 25 g de beurre demi-sel pour moi, un jaune d'œuf, 7 g de levure chimique, 100 ml de lait, 25 g de sucre et 250 g de farine de blé, tout usage. Voilà, maintenant tout de suite les étapes de la préparation. Voilà, donc la première étape, je vais tamiser la farine. Voilà, donc on a la farine. Maintenant, on va ajouter le sucre. On ajoute la levure. On mélange. Donc, on a mis la levure, on va mettre maintenant le jaune d'œuf. On le met là au milieu. Voilà. Voilà. Et puis on va mettre le lait tiède. Et on mélange correctement. On va se laver les mains. Voilà, maintenant on peut travailler la pâte. On rassemble tout. Voilà, quand on a à peu près déjà bien, enfin, en partie rassemblé, on va rajouter le beurre
On va le faire comme ça, en petits morceaux. Et on continue jusqu'à ce que la pâte soit bien formée. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas ajouter de lait. Hein. Ça va tout doucement bien prendre. Vous aurez tout ensemble. Voilà, une fois qu'on a bien tout ramassé, on regroupe une boule et on va passer à la suite. Vous voyez? Voilà, donc l'étape suivante, on va pétrir toujours, saupoudrer un peu de farine. On va travailler la boule et on se retrouve tout de suite. Donc comme d'habitude, le petit mouvement. Voilà, on va reformer une boule. Et on va couper la pâte. Voilà, donc on coupe notre boule en 8 morceaux. Voilà. Après avoir coupé 8 morceaux en forme 8 boules, voilà, une fois qu'on a formé 8 boules, on va recouvrir et laisser reposer pendant 15 minutes. Voilà, c'est parti pour 15 minutes de temps de pause. À tout de suite. Voilà, donc nous revoilà 15 minutes plus tard. On va travailler nos boules. Voilà, je les mets là. On va faire une à la fois. On va l'aplatir. Vous utilisez un rouleau à pâtisserie ou encore un mortier. C'est mon cas. On appelle ça au Congo motute. Voilà. Et moi, je vais utiliser aujourd'hui des emporte-pièces spéciales chaussons. Ça me permettra de
d'avoir moins de gaspillage, je vais prendre celui-là. En fait, avant de le mettre là-dessus, il faut d'abord couper avec un cercle. Vous pouvez aussi utiliser un verre. De préférence, ça doit dépasser. Donc ici, j'ai peur que ce soit un peu juste. Donc je vais prendre quelque chose de plus grand. Voilà. Il faut prendre quelque chose de bien plus grand que en porte-pièce. Voilà. On fait ceci. Et là, on pose. Voilà, ça doit dépasser. Sinon, vous n'arriverez pas à le refermer. Puis là, vous donnez un peu de forme. Et on va prendre notre crème pâtissière. Une cuillère, s'il te plaît, ma chérie. Voilà. Donc, je vais mettre une cuillère de crème. Ensuite, je vais... En fait, ah voilà, je suis dans le mauvais sens. Je préfère mettre ma crème comme ceci. Voilà. Il ne faut pas trop en mettre, parce que ça risquerait de dépasser. Ensuite, je ferme. Voilà, nous sommes à la deuxième ici. L'expérience de la première a montré qu'on avait mis un peu trop de crème. Hein, donc, on va essayer d'être un peu moins généreuse. Voilà. On coupe donc notre rond, on le place, on dépasse, bien dépassé. Et voilà, il faut mettre beaucoup moins de crème. Je dirais comme ceci. Sinon, ça va déborder, ça va sortir. Voilà, c'est beaucoup mieux, vous voyez. Et puis là, on referme, on soude correctement. On soude bien. Et on dépose notre chausson. Ici, voilà, ainsi de suite. On continue. On y va. On les fait tous, les uns après les autres. Et puis, comme on a des petites chutes, des petites pertes, on va les regrouper pour faire un chausson supplémentaire. Voilà.
Voilà, on a fini de faire nos petits chaussons. Maintenant, on va couvrir pour laisser reposer encore 40 minutes. Et on se retrouve tout à l'heure. 40 minutes de repos. Il faut bien ce qu'il faut. Comme ça, on aura un bon résultat tout à l'heure. Maintenant, on passe au stade de la cuisson. En temps normal, ces petits chaussons se cuisent au four. Donc, comme ma volonté en faisant les vidéos est de permettre au plus grand nombre de réaliser les recettes et que je sais que beaucoup en Afrique ont des problèmes de four, d'électricité, je tente des expériences sans four. Donc, nous allons utiliser une poêle. Il y a de préférence un couvercle, si possible en verre, pour pouvoir voir comment ça évolue. Ou alors un wok ou ce genre de plat. Donc moi ici j'ai mis, c'est déjà en train de chauffer. C'était sur feu vif. Donc bien avant de mettre mes petits chaussons, je diminue. Donc là je vais vraiment sur feu doux. Et je vais placer maintenant mes chaussons dans la poêle. Donc je vais les déposer un par un, sans apport de matière grasse. Voilà. Là, on est bien d'accord, c'est sur feu doux, mais au préalable, c'était chauffé. J'espère qu'il y aura de la place pour tout mettre en une fois. De préférence, une poêle anti-adhésive, donc éviter celle qui colle. Sinon, il y a encore une autre astuce. On aurait pu mettre une feuille de papier cuisson dans le bas. Si votre poêle colle, mettez une feuille de papier cuisson. Voilà. Donc, on dépose simplement les chaussons. Et on va maintenant mettre le couvercle et laisser cuire comme si ça cuisait au four. Et cela à feu doux. Voilà, donc on a cuit la première face environ pendant 8 minutes. Maintenant, on va tenter de retourner les petits chaussons. Voilà. Je vais prendre peut-être une fourchette, ça va être plus simple. Je dirais qu'on va cuire l'autre face également 8 minutes et on verra bien ce que ça donne. Donc, j'ai pas ajouté de matière grasse. La poêle remplace le four. Voilà. On va couvrir. On se retrouve dans 8 minutes pour voir si ce sera prêt. Voilà, donc 8 minutes plus tard environ, on va un peu checker pour voir si la pâte est bien cuite partout. Ça, ouais, ça a l'air. Voilà. On retourne encore une dernière fois. Et ce qu'on va faire maintenant, comme c'est un réchaud, on va dire des plaques vitrocéramiques, ce qu'on va faire, on va éteindre et on va laisser encore un petit peu sur le feu pour bénéficier de la petite chaleur pendant 2 minutes. Et après, on va retirer. Voilà. N'est-ce pas magnifique? Donc ici c'est éteint, hein? On referme, on laisse
sous la chaleur qui est encore là. Et on se revoit pour le dressage. Voilà, donc nos petits chaussons sont prêts. Vous voyez, pour une cuisson à la poêle ou à la casserole, c'est pas mal. Donc on va en ouvrir un, comme ceci, vous voyez. Et à l'intérieur, on a bien notre crème pâtissière. On va goûter. On va prendre un deuxième pour goûter, hein. Pourquoi se priver, vous voyez. Il y a de la crème à l'intérieur. C'est très très bon. Voilà, donc le goût est vraiment fantastique, mais peut-être la forme. Alors là, c'est la forme artisanale. Il y en a des gros, des petits, un peu dans tous les sens. Mais c'est très 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 bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Voilà, l'émission Monseca de Maléa Moderne vous dit au revoir. Merci, hein. Je vous aime. Bameka kaka bandeko ba boyaka elubu na premier regard te ba boyaka elubu na solo nangote ba boyaka elubu na couleur nangote bameka kaka meka oyeba na français baloba je veux goûter pour ne pas mourir idiot meka meka na yo tango mekinde oyeba ke eloko no linga rangote soko mekitende ni oyeba. Bameka kaka e, bameka kaka, meka oyeba, meka oyeba. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui parle l'émission Monseca de Maléa Moderne. The wind, the clouds break, the shadows start to fade.